une élimination rocambolesque. Alors qu'elle n'avait jamais été mise en danger au cours de la compétition, Lenny s'est retrouvée en mauvaise posture une fois les votes des téléspectateurs recueillis ce samedi 13 janvier, au moment du prime de la Star Academy. En effet, la Benjamine de la compétition a été éliminée, n'ayant pas réussi à recueillir assez de votes de la part du public. Une annonce choc pour elle, à tel point qu'elle a dû quitter le plateau avec l'aide de l'équipe médicale, explique Public. Sous le choc, tremblante et figée, elle s'était effondrée sur la scène du studio. Et alors que le public s'attendait à la retrouver pour la fin de l'émission aux côtés de Nikos Aliagas, la jeune femme n'est finalement pas revenue sur le plateau. Sidérée par l'annonce de son élimination, la plus jeune participante de cette nouvelle saison de la Star Academy a eu le temps de dire au revoir à ses camarades avant de quitter le plateau, pour rejoindre le château une dernière fois. Mais même auprès des derniers finalistes du télécrochet musical, Lenny est apparue encore choquée, n'ayant visiblement pas réussi à retrouver ses esprits. Elle a tout de même pu conseiller à ses amis de tout donner pour la demi-finale, qui sera divisée en deux parties. Un premier duo, composé d'Axel et Julien, s'affrontera le samedi 20 janvier, tandis qu'Elena et Pierce feront face la semaine suivante. La grande finale aura, quant à elle, lieu le 3 février. La réaction de Lucie Bernardoni sur les réseaux sociaux, ils étaient nombreux à témoigner leur soutien à la jeune chanteuse. Parmi les internautes, Lucie Bernardoni, ancienne résidente du château et désormais répétitrice des primes. Celle qui avait joué sa victoire face à Grégory Lemarchal en 2004 a partagé sur ses réseaux un long texte, vantant le travail et la témérité de Lenny. Elle l'a décrit comme toujours souriante, aimante, professionnelle, avec le cœur sur la main, avant de lui souhaiter une longue carrière, la vie lui ouvre les bras. Celle d'après, comme on dit de cette vie qui commence après le château. Point, ti amo minime. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo. TF1 capture d'écran. Just need